Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode du Maître du Donjon de Nullbuck. Je sais même plus ce qu'on avait fait avant, hein. Moi j'ai pas fait. Sacrifice, mort et désolation, Zandar, Zandar. Hein? Mais c'est quoi cette voix? Oh, c'est négatif, sujet classifié, aucune communication possible envers les intendants. C'est juste le Golbarg du quatrième étage. Juste le quoi? Il y a un Golbarg dans le donjon? Mais comment est-il arrivé là? C'est un démon de l'ancien monde. Il va tous nous massacrer. Non, il est bloqué. Je l'avais invoqué par erreur. Mais je l'ai enfermé avec une ruse grossière. Il faut simplement le nourrir de temps en temps pour qu'il reste calme. Sanctar, je suis peut-être coincé ici, mais je peux semer la mort et la désolation dans tes affaires. Il faut qu'on fasse quelque chose, ou sinon pas moyen d'aller dans les étages supérieurs. Sans vouloir être trop curieuse, vous êtes certain qu'il ne partira pas de là? Oui, c'est sans danger. Je lui ai jeté une malédiction qui l'empêche d'emprunter des escaliers. Et pour sortir de la zone d'invocation du quatrième étage... Il faut prendre des escaliers. Très amusant comme malédiction, et très humiliant pour un démon majeur. Ah oui, c'est complètement con. Maître, vous êtes génial. Zandar, un jour j'aurai ma vengeance. J'éparpillerai ton âme dans d'indicibles souffrances pendant des siècles et des siècles. Oui, grosse ambiance. Le Golbarg est en colère. Alors, qu'incapable d'emprunter des escaliers, donc le Golbarg est une créature redoutable capable de décimer les sbires s'il est contrarié. Lorsque la jauge de calme du Golbarg est vide, il entre en état de carnage. Il attaquera et tuera n'importe quel personnage jusqu'à ce qu'il retrouve son calme. Ok. Très bien. Ou je vais massacrer tous tes sbires. Bon, il va falloir trouver un moyen de le calmer. Dégagez le passage vers le quatrième étage pour aller négocier avec lui. Maître, vous êtes certain? Ne devrions-nous pas plutôt monter un mur supplémentaire? Non, quand il est dans cet état, il faut quelque chose pour l'occuper. Au pire, je pourrais sacrifier les sbires qui discutent mes ordres. J'adore exécuter vos ordres, maître. Tout le temps, vite et sans discuter. Jamais! Ouais, notre ami Goldberg. La voie est libre, maître. Il faut trouver de quoi le calmer. Revax, va négocier avec lui. Non, mais attendez. Un client qui a la dalle, c'est dans mes cordes. Laissez. Je veux me repaître du sang et de l'âme des innocents, sentir la peur envahir leur corps avant d'arracher leur colonne vertébrale à travers leurs vêtements. Mais genre, si on vous file des hamsters dans un clapier, ça irait? Quoi? Mais vous êtes fous! Il va nous massacrer! De petits êtres innocents, oui, pourquoi pas? Comment cas? Mais je veux aussi qu'on aménage mon antre! C'est totalement indigne d'un démon de l'ancien monde! Et ben voilà! Tout de suite, quand on parle menu et confort, on peut discuter avec le chaland, poivreau, paladin ou démon. Ils sont tous pareils. Un coup de jaja, une assiette de singe, de la moquette épaisse et roulez jeunesse! Ben voilà! On va construire l'antre du Golbarg. C'est parti. Antre du Golbarg. Genre, il faut dessiner une pièce qui fait une certaine taille. Moi j'ai envie de lui filer tout l'étage du niveau 4. Mais je crois que le jeu il voudra pas. Si, il a validé. Ah mais non, il va falloir mettre des portes. Eh ben non. Annule. Ouais. Non mais oui, annule ce que je viens de faire. Oui, aucun escalier ne mène à cet étage. Oui, ce sont des choses qui arrivent, oui. Oh merde. Ah. Ça fait chier. Bon, si je redécide une pièce plus convenable. Genre de cette taille là. Oh, bah, c'est tout, ça suffira. C'est bon, il n'y a rien besoin de rajouter. Le trône du Golbarg. Bah, j'ai pas le trône. Ok. Je peux pas valider.
Ok, on annule tout. On supprime tout. Ah ouais, supprime tout. Merci. Oh, aucun escalier ne mène à cet étage. D'accord. On va peut-être commencer par ça alors. Les escaliers. Moi je veux bien. Je sais plus où c'est. Je sais plus où c'est. Escalier. Escalier qui descend forcément. Et on peut rien placer parce qu'il y a une énorme salle. Ok, on peut pas virer l'énorme salle du Goldberg. J'ai donc fait de la merde. Allez, hein. On recommence. On recommence, hein. Voilà. Ah, c'est quand même un peu dommage. Ou alors il y a un outil que j'ai raté, je sais pas, mais bon, top. Sang et sacrifice. Voilà. Je vous vois derrière votre écran, bien à l'abri. Mais votre âme est déjà condamnée par ce jeu démoniaque. Oh, la voie est libre, maître. Voilà. On va donc effectivement bel et bien construire l'entrée du Goldberg. Il faut quand même un truc qui surdimensionne un peu, hein. Alors, je pense qu'il faut qu'on arrive directement dans sa maison, tu vois. Genre, t'arrives, t'as pris les escaliers, là, paf, t'es dans la maison du Goldberg. Sur à peu près tout ça, à la louche. À la louche, moi, ça me paraît bien. Parfait, paraît parfaitement raisonnable. Voilà. Et on ne peut pas valider ça. Ah merde, c'est bien dommage. Bon, donc remettre des escaliers, donc disait-on. Intérieur, escalier. Ah et du coup tu veux plus ta... Ah. Je buguais. Alors attention parce qu'il y a eu beaucoup de patchs de débugage entre deux. Et qu'il est tout à fait possible qu'on nous ait niqué le donjon. C'est passé à 38, préparation de détournement de fond, bien sûr. Préparation d'un raid. Sang et sacrifice. Sang là. Ok. La voie est libre, mais... Commençons donc par l'escalier. Ah mais tu veux pas faire un escalier. Dans tous les cas. Non, c'est hors de question. Faut d'abord lui mettre un... Faut d'abord lui faire sa maison. Mais sa maison ça voulait pas. Bon écoutez, on va faire une entre de Goldberg beaucoup plus modeste que ce que j'aurais souhaité. Hein, mais on va se faire ça. Hein. Voilà. Non, on va éviter les extérieurs dangereux. Voilà. Et est-ce qu'on peut placer un trône? On peut pas placer de trône de Goldberg. Pourquoi? Non, mais annule tout là. Ça marche pas cette histoire. Ça m'a saoulé. On va redescendre d'un étage. Il y a quoi à cet étage? Il y a rien du tout. On va descendre à étage 2. Il y a quoi à l'étage 2? Il y a rien du tout. Au premier. J'exploite qu'un seul étage. Et j'avoue que j'en ai un peu rien à carre. Admettons, hein. De toute façon, cet étage, ça va devenir l'étage, de... l'étage aux escaliers. Tac. Oh, on peut les mettre face-face comme ça. Rigolo ça. Où mène celui-là? Ouais, vers l'étage d'en haut. Je peux pas le relier vers l'étage du haut? Donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment que j'aille sur l'étage du haut.
je peux pas poser d'escalier, donc le jeu est cassé. Non, la blague. Allons-y, on va tester ça. Hein. Non, je peux pas poser d'escalier. Je peux pas poser d'escalier. Ouais, je suis d'accord. Ah, et maintenant que je l'ai relié vers le top, ok, on peut s'en mettre un autre. Ok, bon, ça marche. Ah, mais on peut pas les mettre n'importe où. Ok. Relié vers le top. Ensuite. C'est l'étage du Goldberg après. Donc ensuite, ce que je voudrais, c'est un disque par là. On peut pas le mettre là, on est obligé de le mettre comme ça. Bon, ok. Bonne idée. C'est bon, on peut faire sa piole au Goldberg maintenant. Est-ce qu'on veut bien lui faire une piole descente, je vous prie. Pas vouloir. Non, bon, on va revenir sur mon idée initiée, sur cette idée là de si on va se caler, on va se ranger un Goldberg par là quoi. Voilà. Et maintenant j'ai le droit de lui mettre Intronimus, le trônasse du Goldbergas. Démon majeur. Réserve de nourriture, permet au Goldberg de s'en occuper. Ok. Ok, des tas de choses quoi. Cool. Pas assez d'or. Ah, ça c'est un classique ça. Ça, le fameux pas assez d'or. C'est toujours un vrai problème. Hein. Alors je dirais bien en allant plus vite on va récupérer du pognon, mais. Peut tendance à voir l'argent disparaître. Hein. Ça sera annulé, faut absolument qu'on aille chercher de l'argent. Incursion en approche. Oh, cool. Bon, il nous faut de l'argent. Je sais plus comment on va chercher de l'argent. Vite. Il faut des voyages. Je sais plus, c'est ouf. Gestion du donjon. Les raids. Il faut que j'aille raid quelqu'un. Domestique, garde, espion, orc. Est-ce qu'on n'a pas un peu genre plein d'orcs? De niveau 6. Ouais, j'ai vraiment deux orques. C'est une blague. Ouais, j'ai une légion de cuistots, mais j'ai deux orques à peu près entraînés convenablement. Et après, c'est les barbares. Et ouah, c'est triste. Ah, mais j'ai pas d'infos. Je peux rien lancer comme raid, je suis un clodo. Parce que pour lancer des raids, il faut du papier toilette. Et je n'ai pas de papier toilette. Il faut plus de papier toilette. Pourquoi j'ai si peu de papier toilette? Trouvez-moi du PQ. Je les avais déménagés, c'est ça? De mémoire, je les ai envoyés à l'étage. Oui, ils sont là. Comment ça, j'ai qu'un espion à bosser? Oh, ils sont insupportables. Hein. Faites plus de PQ. Orc, prêt à faire des trucs. Ok. Ok, je sais même pas si on a dans au sein de nos forces de recrutement, voilà, recruter un balayeur-man. Du coup, tu peux tenir toutes les salles en propre. Hein. Je sais que j'avais décoché des salles. Ah,
ça peut être maintenu au propre. Bon, on verra bien après. On s'adaptera. Hein. Énervé tes héros. 8 sbires morts évidemment. Hein. Et mis en prison des héros, on aurait tué tout le monde. Voilà. 2100 balles. Approuvé par le seigneur du donjon. On n'a plus une goutte de thune. Impressionnant. Qu'est-ce que. Reste d'un certain Jones. Augmente le prestige de la salle. C'est quoi ce machin? Faut le poser. J'ai pas de place pour mettre ça. Dans la salle des gardes, on peut mettre ça? Non. Ok. Oh putain, j'ai pas fait gaffe. C'est Indiana Jones sous un caillou, bien sûr. Wow. Pas vu, hein, je t'ai occupé. Je ne sais quoi. Montre le prestige de la salle, rendez-moi ça. Ça sert à rien. On n'a pas de budget, faut qu'on trouve du budget. Et je n'ai plus de crétins. C'est ça. Liste de sbires, trouvons des espions. J'ai plus un espion, évidemment, ils se sont fait buter. Hein, sinon, c'est pas aussi drôle. Des espions de niveau 1. Bah au moins ils coûtent rien quoi. Ah, ouais, vas-y, prends une masse d'espions. Hein. On va c'est quoi prendre un autre là. On peut celui-là aussi. Ah oh, celui-là il coûte 0, vas-y on le prend. Bon une légion de gars, hein, on a plus un aspect sous la dent. Bon en termes de recrutement. Des pères fouetteurs, on en a 2, c'est largement suffisant, on a du nain. Ça c'est des gobelins je crois. Ah, c'est du garde gobelin. On a beaucoup d'humains, on a du gobelin, on a un peu d'elfes. On n'a pas d'orques, hein. Vraiment c'est le drame, on a pas d'orques du tout. Et on s'est fait tuer tous nos orques en plus. Recrutement. De l'orque. Ah non mais c'est du recrutement automatique, normalement. Mais je suis dans la merde. Parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Hein. Il fallait vraiment refaire tout le donjon. Mais là, c'est vital. Si on fait pas ça, on est foutu. Hein. Gestion du donjon. Les raids. On a de quoi faire un raid. On sent la misère. Hein. Un vulgaire pillage avec des elfes. Ah ouais, ça chiffre bien. 57%. T'es un elfe, ça compte. J'envoie tous les elfes qui me traitent sous le coude. Voilà, 99%. Non, c'est le raid. J'ai mis un healer avec, j'ai fait ça comme un héros. Voilà. Et on n'a pas une goutte de pognon, hein. Peut-être falloir voir. Alors, ça fait du pognon. Donc, ça, faut voir ça. Ça, faut voir. Le petit marché. Non, mais là, tu me vends des trucs, j'ai pas d'argent. Moi, j'aimerais vendre des trucs. Stock et vente. Ah, on vend la moitié des infos. On vend plus rien. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on vend? On vend la moitié des armes. Et le stock est au max.
C'est quoi Vincent On peut modifier le chiffre. Ah oui. Vincent 200. Tout de suite. Ok, ça c'est des stocks de Maccabée. On en vend un petit peu, ça a l'air de se tenir. Ici on vend visiblement ce qu'il faut. Et après c'est pour les magiciens, on vend pas. Ok. Ouais. Finalement, est-ce qu'on a besoin de cette salle? Alors qu'on a cette salle là-bas. On vend tout. Ça fait de l'entretien en moins. Ça, je le garde. Salle de garde, j'en ai partout. Ok. C'est quoi votre problème avec le nettoyage? Ah, peut-être parce que le donjon est ultra crade. Du coup, c'est compliqué pour l'entretenir. Passe bien. Hop. Attends, un balayeur à niveau 3, ça coûte cher. Hein. Alors, deux domestiques. Avec un peu de chance, on va réussir à entretenir ce donjon. Hein. On a que deux étages, ça devrait tenir. Ah oui, j'avais commencé à mettre des trucs ici. Quoi? Normalement, vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. Vous avez tout à cet étage. Hein. Besoin d'éliminer quelqu'un? Sévice, compris. Ok. Ça, ils sont bonhommes de chemin. Eux, ils ont quasiment fini leur truc. On est fauchés de toute façon, donc faut lancer des assauts. Hein. Rendre service. Il y a une planque d'alcool, faut envoyer des orques. J'adore envoyer les orques. J'en ai pas. Du coup, ça m'arrange un peu. Garde sorcier, espion, nécromancien, tout ce que tu veux. Bref, du garde orc. Du vampire espion. J'ai que de l'espion, tout court. Testons avec uniquement des... Oh le stock d'espions. Oh le stock d'espions, il a pris cher. 85% de chance de réussite quand même. Ça se joue. J'envoie des raids. Je charbonne pour ramener un peu de pognon parce qu'on peut même pas construire la... Dès qu'on a une goutte de fric, elle disparaît tout de suite. Donc tac. Et ils sont arrivés au premier. Ah mais ils vont encore massacrer tous mes crétins. Mais ils sont arrivés par où encore? Non mais ils vont me rendre malade hein. Je pense que dans les aménagements, on va mettre un truc, hein, voilà. Un machin comme ça au niveau de mes escaliers, parce que là, c'est plus tenable, hein, là, c'est insupportable. Voilà. Hop, excusez-moi. Ils sont en train de faire tous mes espions, hein, qui valent pas un coup, évidemment. Je fais tabasser mes nains. 3 sbires morts. Ressources volées, 0. Récupérer le butin. Ouais, vas-y, let's go. Ah ouais, mais on récupère rien, 500 balles. Non, mais j'ai pas l'argent, moi, pour ça. Arrêtez tout. 3000 balles. J'ai même pas de quoi faire la piole du Goldbark, putain. Mettez activité pour l'utilisation de ressources armement. Ah, j'ai trop de flingues.
Ah oui, j'ai plein de flingues. Mais je peux pas en stocker plus. Il faudrait que j'en stocke plus. Mais le problème, c'est que ce donjon ne veut pas en stocker plus. C'est-à-dire que je suis inévitablement limité dans mon stockage des armes. Alors que pas des outils. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je construise plusieurs forges. Je sais pas. C'est bizarre. Nouvelle décade. Cool. On est content. Ah ouais. Et les bacs à cadavres. Oui, parce qu'il y a... Il y a cette histoire aussi, rappelons, de cadavres. Hein. Il invoque un mort-vivant. Engrais. On n'a pas d'engrais ? Qu'est-ce que ça prend de niveau ? Oui, j'ai l'impression de passer ma vie à les entraîner, que ça ne change rien. Aux ordres ! Échec. Ok. On va attendre. C'est pas fini ça ? Ah si, c'est. Planque d'alcool. On a gagné un objet. Mais contenant non de Glarg 77. Ok. Très bien, impeccable, pas de problème. C'est quoi ça ? C'est une mission pour des espions. Mais ça rapporte pas un dollar. Qu'est-ce que j'en ai à carrer ? Mais filez-moi des missions qui rapportent du points. Sinon, faudrait que je déplace des quasi-humains, quoi. C'est quoi ton problème avec la prison ? Ah, la planque d'alcool. Ah, c'est pour qu'ils soient plus contents. Oh, ouais, on peut faire ça. Hein. Mais c'était pas... Ah. Pas ça qu'on aurait dû faire. Hein ? Non, je voulais modifier ça justement. Hop. Moi ça. Déplace-moi ça. Et ensuite, on ajoute la plante d'alcool. Face du mec qui se fait trouver le cul. Excellent. Le cash, c'est toujours un désespoir. Sans fin, sans fond. Est-ce qu'on devrait agrandir la taverne ? En vrai ? En vrai, est-ce qu'on devrait pas agrandir la taverne ? Moi, je suis d'accord, hein. Où on peut faire une deuxième taverne. J'ai pas l'impression. Cuisine. Augmente les chances que les cuisiniers produisent une plus grande quantité de repas de viande. Ok. Les intrus sont dans le donjon. Attendez, fixer encore. Deux sbires butés. On n'a rien gagné. On n'a pas de pognon. Ce donjon coûte trop cher. Et franchement, à part rajouter des artisans, sinon je vois pas comment faire du fric. Hein. Donc, admettons, on va rajouter un atelier, pas une salle d'entraînement. C'est où l'atelier ? Bah, c'était le premier. C'est
t'es le premier, on va s'ajouter un petit hat juste ici. Avec une porte juste là. Ouais. Ok. Donc, dans cette salle, il me faudrait stockage pour les flingues. Il faudrait une forge. Deux forges. Il faudrait des stockages pour les outils. Ça prend pas de place. J'ai mis deux forgerons à l'entrée. Les mecs gênent tout le monde. C'est parfait. Ah, ça se débloque si j'ai cumulé assez. C'est intéressant ça. Donc, on a mis de quoi stocker. Très bien. Ah oui, mais eux, il faut qu'ils soient. Ok, on va changer la donne. On va déplacer des choses. Excusez-moi. Hop, la flemme de les tourner. Hop. Je suis vraiment obligé de le caler contre un mur. Ah, c'est un peu. Tac, tac. Et deux forges. Je peux encore gratter une petite place ici. Un mannequin. Il manque le prestige de la pièce. Ok. Voilà, je vois pas trop l'utilité, mais. Mais cette pièce, le problème, c'est qu'elle vaut une blinde. Et figurez-vous, bah qu'on est pauvre. On va supprimer tout ce qui est au milieu. On va supprimer tout ce qui est au milieu. Il n'y aura aucun prestige dans cette pièce. 1007, faut supprimer encore des choses. 1005, pas assez de... Ah mais non. Ah non, nous, il nous reste 80 balles. Ça, c'est vraiment les étages qui sont en train de nous saigner, hein. Oh, il nous reste rien du tout. Il y a un gars tout seul qui nous attaque. Il est tout seul, mais il est hyper fat. Les gens vont venir me foutre en taule. Ok. D'accord. Je sais pas. Je suis pas convaincu par ce donjon. En fait, je sais pas comment rentrer du fric dans ce donjon. On perd du fric. Alors, est-ce que j'ai vraiment trop de personnel? Ce qui n'est pas impossible non plus. D'ailleurs, tiens. Non, pas des sbires. Hop. Attends d'aller faire du raid, là. Du raidos, parce qu'on gagne rien. Rendre service, ça rapporte du pognon. Ça rapporte du pognon.
en voyant des elfes. On n'a pas le niveau. Ah, parce qu'ils vont idéalement des domestiques et des cuisiniers. Non, mais vire les gens. Domestique et cuistot, je suis bête. Domestique, on a ça ou ils sont tous partis? Ah, j'ai plus rien, tout le monde s'est fait buter. Et tout le monde s'est encore fait buter, c'est un sup, hein. C'est vraiment très 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 désagréable. Ça va se demander si je devrais pas recommencer depuis le début. 1, 2, 3 balayeurs. Cuisinier, 1, 2, 3, 4 cuisiniers. Toi le relou, j'en prends un comme ça. Un relou de plus, on sait jamais. Voilà. Et des ingés. Ah ouais, il faut que je regarde mon histoire d'ingé, parce que c'est eux qui font le pognon. Donc, les ingénieux. 1, 2. Sérieux, il en reste plus que deux? Non. Ah ouais. Oh, c'est pris une claque en ingénieur. Waouh. Alors, on a combien de postes de travail? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ah ouais, on a de la place pour beaucoup de gobelins. Sbire, non pas ça, recrutement. Recrutement. Voilà, à la louche. Histoire que les forges tournent à fond. Allez. Ils bossent les nains ou pas? Parce que je viens d'embaucher des gobelins, ils sont bien bossés tout de suite. Ok, ouais, le nain il est là. Il y a un nain ici, ok. Ok, ok. Du coup, à cet étage, il serait intéressant de refaire un dortoir. Les moyens, c'est pas ça, hein. Aux sbires de se reposer, ouais bah ouais, ouais c'est pour tous les types de sbires, hein. Included. Vas-y, hop. Quoi ce truc? Intérêt intrigue et idiot. Ah oui, parfait. Impeccable. Juste ici. Validé. Ça vaut 1$. Ça attire les abrutis. Superbe piège. J'aime beaucoup. Ok. Hop, on aménage. Alors. Du. Réservé aux nains? Ah, ça débloque en réussissant un raid. Et augmente un peu le moral. Ah, intéressant. Hop. 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 On a stocké 3 nains. C'est pas mal. Inutilisable par les nains et les trolls. Ouais, ouais. Le problème, c'est que des nains, on en a. Et va savoir si c'est la faute du maître du donjon, mais du coup on a un petit paquet. Voilà. Coûte 300 balles, je les ai pas. Et putain. Ah du tout, je suis fauché. C'est quoi ça? Armoire à pharmacie. Puis on vient de patienter. On verra. Bon. Euh...
Est-ce qu'on peut faire des raids rentables? Baril de sang noble. Merde. Alors, ça file que des objets et jamais de pognon. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est l'argent, les gars. Là, il n'y a rien à gagner. Juste... C'est juste des infos. On lance un raid qui coûte 100 balles pour gagner des infos. Là, il y a 840 à gratter. 425. Il n'y a rien à prendre. Hein. Oh, gagner de la répute, ça m'intéresse surtout pas. Juste pour de la répute. Non, mais c'est de la merde. 1500 boules. Ben voilà. Ça, c'est un argument qu'on entend, ça. Boules. 390. Le mauvais vin de Côte de Grasque. Orc, gobelin, troll. Artisan ou banquier. On va être obligé d'envoyer de l'artisan gobelin. J'en ai une masse, hein. Des artisans gobelins, hop et hop, non mais hop hop, 98% de chance que ça passe, ça passe. Des orques, des barbares, ah ouais, mais des cuisiniers, cuisiniers orques, j'en ai et c'est les meilleurs. On va pas se gêner, hein. On peut la faire. Ça rentre, hein. Il y a le budget. Zéro taux de mortalité, c'est un 100%. Hein. Ça, c'est un strike comme on n'en connaît pas. Hein. Des vampires domestiques et cuisinés. Cuisinier. Ouais. Ouais, ouais. j'ai pas forcément ça. J'ai pas forcément ça. Alors, j'ai du cuistot encore un peu. Alors, bon, après ça, on va manger nos doigts. Hein. Cuisinier là. Waouh. Oh, on touche le fond là. Oula. Là on touche le fond. Ah, 82%. Bon courage. 31% de chance qu'il meure, hein, les mecs. Hein. Ça va bien se passer. Surtout que cette pièce, bah, pour la rendre vivable et utilisable, il faut absolument que je m'ajoute le truc de pharmagicien là. Le pharmagiste. Voilà. Je crois que c'est tout ce qu'il faut que j'ajoute. Faut juste que j'ajoute au moins ça. Ça c'est juste une, hein. Soigne les points de vie des blessés, retire les statues. Et d'appeler un pharmagicien. Ouais, ça suffira. Un seul suffira. Voilà. Donc là, l'idée, c'est que plus on va mettre de forge, plus on va avoir de nains. Puis on a nos banquiers qui sont ici. Donc, normalement, nos nains vont dormir là. Alors là, par contre, ça va gueuler. Hein. Ça va gueuler un peu fort. Il y a ce fameux endroit qui n'a jamais été convenablement aménagé. Parce qu'il faut que j'ajoute des cloisons pour pouvoir le rendre mortel. Je me souviens même plus comment on le rend mortel. Je n'ai même pas mémoire de ça. Dans mes sbires, j'aurais pas un peu trop de banquiers nains. Parce qu'en fait, je pense que mon problème, c'est que j'ai pas d'argent. Tu payes des salaires, toi? Je peux dire pour 21$. Prends 21$ et casse-toi. Il y a beaucoup trop de banquiers. 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus... Il y en a plus que ça, je crois qu'il y en a de plus haut niveau. Peut-être que les mecs qui ronflent. 4 banquiers suffiront. Faut pas déconner. Hein. Ils sont déjà assez nombreux comme ça à me voler. Hein. 4 banquiers, on est large. Arrête terminé. On a vaincu. Du pognon, ça c'est bon ça.
Du pognon, ça c'est très bon. Du pognon, c'est excellent. Et du pognon, c'est pas, c'est merveilleux. Alors, c'est merveilleux. Je me suis mis en pause. Hein. Ouais. C'est merveilleux. C'est splendide. Hein ? Achète un nouveau truc des nains. Ok. Augmente quoi ? La chance que les artisans produisent plus d'armement. Ouais. Plus d'armement, c'est pas déconnant. Mais c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est la planque du Goldberg. Il y a plein de, nouveaux trucs. Voilà. On s'est fait, la planque du Raptor Goldberg. Et on n'a pas de quoi lui payer son trône. Par contre, on a parfaitement les moyens de se rendre dans une forge et d'y ajouter effectivement un kit de travailleurs. Est-ce que je devrais pas aller à la forge du bas d'ailleurs? Je sais pas. Vas-y, je vais claquer ici. On mettra des forges ici. Est-ce qu'on pouvait l'emboîter un peu de manière exotique? On va le mettre comme ça. Ça empêchait de mettre un autre forgeron derrière. Intéressant. Je cherche une combo intéressante, hein, mais ne vous inquiétez pas. Tac. Une autre prod d'armes. Ça rentrerait. Et ici on peut pas fermer. Ok, bon bah tant pis, on place ça comme ça. En attendant que. Et on peut se remettre de quoi stocker des outils ici. Et de quoi stocker des armes. Là. What else? La salle d'eau. Oh, réserve aux ailes. Diminue la... Annule la diminution de morale des sbires présents. Oh. Alors ça. Ça c'est incroyable. Attendez, ça par contre c'est vraiment incroyable. Voir la taille de la fontaine d'ailleurs, je ne vais pas regarder. Mais... Oh, attends la masterclass quoi. Ok, bah ça rentrera pas ici. Faut construire une salle d'eau pour les elfes, mais soit, je l'entends. Je l'entends. On va faire une salle d'eau pour les elfes. Je vous ai compris. Une salle d'eau pour les elfes, ça ressemblerait à quoi? À un truc qu'on mettrait dans un coin de chat. Ou par là. Ouais, ça s'entend. Ça pourrait s'entendre. On pourrait s'entendre ici aussi, hein, d'ailleurs. On va se faire ça. Une salle d'eau. Une salle d'eau que l'on qualifierait de pour les elfes. Hein. Hop là. Elle est immense. Je la valide. Allez-y. Envoyez les gars. Un autre elfe pour l'occasion. Très bien. Alors, c'est une salle d'eau. Augmente le moral des sbires qui utilisent les douches. Ce sera validé.
Ça, c'est quoi? Réservé aux peaux vertes, gobelins, orques et trolls, permet à un sbire de se salir en utilisant les douches. Ah. J'ai envie de lui dire oui. Bon. Inévitablement, j'ai envie de lui dire oui. J'ai envie de dire. Si je te dis non, qui suis-je finalement? Ai-je le droit de te dire non? On se met une petite cheminée à l'entrée, ça c'est sûr. Alors on est chez les elfes, moi je me vois bien accrocher du linge. Voilà. Du linge propre, hein. Bien sûr. Pas du sale. Hein. On se respecte ici. Hein. Voilà. Très bien. Je check un peu, hein, mais je pense qu'on va remonter. Hop. On va remonter, on va placer. Des poteries. Parfait. Des bons gros pots. Voilà. Des pots où on range les savons, les machins. Des pots. Le petit séchoir, finalement, qui va bien. Qui fera ses office de séparateur. Hein. Attention. Quand même. Faut faire les choses bien. Non, pas une fontaine inutile. Il faut des fontaines utiles. Voilà. Voilà. La fontaine aux elfes. Est-ce que... Oh là, le mec se gourre avec ses boutons, c'est incroyable. Il ne sait plus jouer aux jeux vidéo. Voilà. Ah, là, ça raconte une histoire. On ne dit pas le contraire. Voilà, la fontaine aux elfes. Je pense, c'est pas mal. On verra pour décorer autour quand on sera ultra riche, bien sûr. Pour l'instant, c'est pas le cas et c'est pas prêt d'être le cas. Les orques, leur bac à crasse juste à côté de la porte, là, c'est bien. Ils sont contents. Ils sont contents. Voilà, je pense que... Voilà, on peut se mettre déjà des douches. En espace, hein, bien sûr. Est-ce que... voilà, finalement, on part pas sur ça comme ça. Incroyable. Alors attendez, hein, je vais essayer de mettre de l'intimité dans tout cela. Voilà, je crée un peu d'intimité. Ah, du coup, c'est plus accessible. Ouais, j'essaie de créer des espaces un peu intimistes. Voilà, Ah, j'aurais peut-être dû le tourner dans l'autre sens. Voilà. Voilà, finalement. Ah, ça gêne si je le mets comme ça. Ça gêne si... Ok, d'accord. Non, je tombe des choses. Bon, après, est-ce qu'on n'est pas en train d'en faire des caisses pour rien? Un petit peu, quand même. Des chiottes, voilà. Les chiottes, c'est important. J'ai envie de dire, faites pas chier. Genre dans l'humour. Je pense qu'on est pas mal. Hein. Je vais remettre des séparateurs, hein, parce que évidemment, il faut respecter son prochain. Pendant qu'il coule son bronze. Voilà. On est chez les elfes, hein, c'est bon. Il y a un petit passage là. Ils peuvent y aller. Petite fontaine un peu intimiste, formidable. Moi je trouve ça beau. Moi je trouve ça beau ce qu'on leur offre. Par contre pourquoi ici ça veut pas? Ça veut pas parce que... Mettons du chiotte public. Un petit chiotte public. Des familles. Voilà, c'est au milieu de la maison quand même. Faut pas déconner non plus. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour l'instant, surtout, c'est toujours dans notre budget. Et ça, ça n'a pas de prix, bien sûr. Voilà. Moi, je pense que c'est très bien.
peut se rajouter une petite séparation, quoi. Genre laisser les gens faire caca, certes, mais tranquillement. Voilà. Avant tout, bien sûr. C'est important. On peut encore tester des choses, hein. On peut encore s'ajouter des trucs, on peut encore faire des bêtises, hein. Mais on va garder ça comme ça. Je pense que c'est une salle qui est très jolie. Et il faut respecter sa beauté intérieure. Non, c'est pas possible. Ici, c'est possible. Voilà, on peut rajouter des vases de décoration. Alors, je pense que les elfes, on leur met voilà, des petits vases à la con au fond. Et ils sont heureux, quoi. Voilà. On leur accroche du linge au mur. Si on peut leur mettre ça, ce serait parfait. Ah, avec des petites lanternes, on leur a pas mis d'éclairage public. Ils s'éclatent dans leur radio, les gars. C'est trop chaud. C'est hors budget, hein. On arrête, hein. on est passé hors budget, là. Direct. Ah non, faut arrêter les conneries. On mettra de l'éclairage public une autre fois. On peut mettre tout ça, quand même. Bon, après ça, on est ruiné. Mais est-ce qu'on n'a pas envie de le faire? Je connais déjà un peu ma réponse, hein, à cette question. On peut ranger des trucs ici encore. On peut mettre une petite vasque intérieure. Du plus bel effet. Bon, oh, c'est très bon. Oh, Polo, c'est beau. C'est rigolo, mais c'est trop cher. Eh, on a fait un shot splendide aux elfes. J'ai pas gagné d'argent, mais c'est splendide. Quoi ? J'ai pas pu payer le trône ? Ah non, j'ai pas pu payer son trône. Mais j'ai payé le shot aux autres, hein. Il va faire la gueule. Formidable. Est-ce qu'on peut repartir en raid? J'ai besoin d'argent. Pas d'argent. Aucun intérêt. De l'argent. Il y a un intérêt. Du cuistot orc. Je pense que j'ai dû récupérer mes gars. Mange ça. On voit les boss. Aucune chance d'échouer, bien sûr. Des elfes. Des gardes elfiques. Oh ouais, vas-y. Hein. Coup de 20 infos d'envoyer tout ce beau monde. J'ai 300. On va pas gêner. Hein. On va aller récupérer ce qu'on a. Bam. Chapelet de saucisse. Envoyer des orques. Garde orques. C'est vraiment pour récupérer les saucisses, les gars, que je fais ça. Du pognon. Des artisans gobelins. Oh là là, c'est cadeau, ça, des artisans gobelins. Bon. Pire, si on est dans la sauce, on en verra un peu plus. J'ai l'impression de manquer cruellement d'artisans gobelins. Genre là, j'ai envoyé tous mes artisans. Ouais, un détail près, j'ai envoyé tout le monde, quoi.
Y'a pas d'argent. Il y a de l'argent. Et il te faut des elfes. Artisan, banquier, elfe. Ah, c'est chaud ça. Ou alors j'envoie les banquiers. Est-ce que je peux envoyer une longue liste de banquiers? Ça a l'air très rigolo, je les envoie. Des orques, des gardes, des espions, des barbares. Vous me demandez beaucoup, beaucoup, beaucoup de pots verts, les gars. J'ai plus forcément ça en stock. Hein. Ouais, du domestique. Ouais, j'ai plus. J'ai plus ce qu'il faut. Hein. Y'a rien. Non, viens moi. Là, il y a du pognon. Cuisinier domestique. Un cuisinier humain. Oh bah, sinon, j'envoie du cuistot. Hein. Ce sera un groupe de cuistots. Avec un domestique. Et un cuistot elf. Je pense que la combo est tellement improbable que ça passe. Il manquait plus qu'un cuisinier troll. Je sais pas si ça existe. Je sais pas si ça peut exister même d'ailleurs. J'aurais aimé pouvoir embaucher un barde ogre. Oula! Intéressant. Garde, 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 garde. Vous avez d'autres questions? Ça a l'air d'être un gros truc. Hein. Ah, on peut payer 6 balles pour renouveler l'émission, c'est rigolo ça. Ça, ça rapporte rien, ça, on s'en fout. On peut avoir des bonus de faction avec les gens. Ah ouais, ok, ça apporte des bonus de faction sur Omega, ok. Qu'est-ce qu'il y a? On se fait agresser. Ils arrivent directement à l'étage. Hein. Ah, ils sont venus par les étages supérieurs. Les mecs se déversent dans tout le donjon. 7 sbires ont été butés. Bah superbe. Mais ça a renfloué les caisses. Hein. C'est quoi ça? C'est un mageux? Ah oui. D'ailleurs j'avais pas oublié mon gars dans une cellule. Oh pff, il doit être mort depuis le temps. Depuis le temps j'avais un mec à ramasser. Ouais. Ah, je me fais fumer des gardes de niveau 7. Hein. C'est horrible. Hein. Ça tronçonne des bûches. Ça peut pas être fou votre local. Hein. Non, une étoile. Pas dingue. Alors que... 3 étoiles. Hein. C'est globalement propre. C'est pas mal. On n'a pas du sbire à 0. Oh, j'ai vu du sbire à 0. Dommage. Oh, le cleaner. Non, mais ils gèrent super bien, les mecs. Cette grande salle mal décorée qui rapporte rien. On peut rien stocker, mais bon. Ok. Oh, l'argent a fondu, mais comme... De l'argent. Ouais. De l'argent, ouais. Putain, plus de pognon. Putain, le fou. Non, mais vire-moi cette merde. Défaite. Les nains se sont fait soulever. Plus de pognon. Pff, aïe, 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 la pile de fric. Ressources armement augmentées de 143. Ça valait grave le coup. C'est pas le petit marché? Il y a quoi petit marché? Promotion sur les tables. Rupture de stock. Et puis... Mon stockage, c'est ici. On est au max en flingue. Et on n'a pas passé le palier. Vas-y, on va vendre 100 flingues. On a combien? 69, vendons 50.
Mon niveau d'outillage est exceptionnellement élevé. Très bien. Bon, c'est parfait. Ça veut dire que... Oh. J'ai une requête, maître, qui est peut-être une opportunité pour vous. Ah, je suis très occupé. De quoi s'agit-il? C'est au sujet de cousins de la surface, les elfes sylvains du bois de Glandorn. J'ai fait une découverte qui peut vous intéresser. Dites toujours. Tous les sylvains du royaume de Glandorn vont bientôt se réunir dans leur capitale pour leur concours annuel de brossage de poney. Certains camps seront désertés pendant des jours. Vous suggérez un petit pillage en règle en profitant de leur absence? Bien plus que ça. Je pense que nous avons l'occasion de nous saisir des écrits sacrés des Sibulorn. Un objet elfique très ancien. C'est un recueil légendaire de pouvoirs très puissants. Comment être certain qu'il ne sera pas amené à la capitale pour le concours? L'objet ne quitte jamais les tertres sacrés, sauf pour le festival des couettes de licorne. Nous avons le temps. Quelque chose cloche à propos du temple de Wismal, maître. Eh bien, quoi? Qu'ont-ils encore inventé pour tenter de m'humilier? C'est... étrange. Des rumeurs disent que le temple a été déserté par ses prêtres. C'est sans doute un piège. D'un autre côté, s'ils ont été victimes d'une attaque d'aventuriers un peu vigoureuse, cela pourrait être le bon moment pour les achever. Ah! Enfin, le moment de la vengeance a sonné! Qu'on envoie une reconnaissance immédiatement! Affirmatif! Cela ressemble quand même un peu à une attaque de donjon. Non, nous ne sommes pas des aventuriers, c'est une opération maléfique à caractère exploratoire. Ok, alors, on a débloqué quelques raids, je crois. Mais, ne nous dispersons pas. Nous sommes blindés de pognon, donc, il est grand temps de filer son Tronus à ce gros. Voilà. Ton Tronus, tu as. Ensuite, au premier, il est grand temps de remplir cette forge, nom de moi. Nom de moi. Alors, de l'outillage, de l'armement. Et plaçons donc de quoi fabriquer des outils, de quoi fabriquer des outils. Il nous reste deux emplacements qu'on peut pleinement exploiter si on veut. Je serais partisan de mettre du stockage plus, mais bon. Je rajouterais bien deux forges, mais j'ai peur de pas avoir cette forgeon en fait. J'ai peur que ce soit pas bien utile. Donc on va tester, on va voir si ça veut bien stocker quoi. Et puis on peut toujours se rajouter un forgeron dans un coin. Non, bah non, on va se rajouter tiens, une pointe de déco. Ça a l'air énorme ce truc. Oh bah non. Quel que soit le sens. Eh bah vas-y. Rajoute ça ici, ça fait très très joli. 300 balles, ça a intérêt d'augmenter bien le prestige comme il faut. Hein. Donc je vais voir le prestige monter là. Prestige, il va tout seul. Ah mais plus je rajoute des tables, plus ça monte comme prestige. Ok, c'est ça les. C'est maintenant très qu'on a géré les revendications du Goldberg en matière de confort, il faut lui trouver des hamsters. Nous allons acheter un clapier au village du coin. Ne rêvez pas. Il faut des hamsters spéciaux pour satisfaire un démon. Heureusement, je sais où en trouver. Dans un des repères des serviteurs de Xor au Grotte d'Augd, ils utilisent des hamsters de sacrifice pour les démons qu'ils invoquent. Quoi? Mais vous êtes folle! Par les babouches de Cornetto, on va se faire massacrer! Et ne prononcez pas son nom comme ça! Négatif. Petit groupe d'incursion, tactique d'infiltration, opération commando possible. Action, mouvement! Ok, on a débloqué ma chose. On a récupéré un chapelet de saucisses. Nous, on est trop chaud. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ça c'est... Oula. On va l'écouter autre chose parce que là ils ont... Ils sont en train de serrer des trucs. C'est quoi ça? C'est une mine! Explose quand quelqu'un marche dessus. Oh d'accord. Amuse-toi bien. Voilà. Ensuite. La cuisine.
On a débloqué le fameux et légendaire chapelet à saucisses. Attention. Certains diraient même qu'il s'agit d'un chapelet de saucisses. Nous n'avons qu'une preuve. Nous vous abstenons donc bien cordialement de tout commentaire. J'ai pas débloqué une master table, équipement de chef. J'ai pas ça. Je l'ai pas mise. Ah si, c'est celle qui est au milieu. J'ai rien dit. Donc, mettons ceci. Oh, du chapelet de saucisse, ma gueule. Hein. Du chapelet de sifflard. Hein. Là, on y est. Hein. On y est en cuisine. Hein. Ça, c'est nul. Ça prend juste de la place pour prendre de la place. Hein. C'est bien ça, hein. Ça. Ça ressemble à un truc qui prend de la place juste pour prendre de la place. C'est un peu ça. On peut vous mettre un truc incantatoire. Voilà, ça augmente votre prestige. Hein. Votre cuisine, elle est pas au max. Hein, donc on va améliorer un peu la cuisine sur ces produits-là. Stocker des repas, ça va pas forcément être nécessaire. Et on est d'accord qu'à partir de là, il n'y a plus de place, jamais, nulle part. On vérifie. Non, c'est bon. Il n'y a plus jamais de place, nulle part dans cette cuisine. Cette cuisine est overhead blinded. Je peux prestiger la pièce. Ouais, on est bien. Hein. J'ai pas laissé un vide. Hein. Si, j'ai laissé un vide. J'ai laissé un vide. Hein. On va le combler tout de suite. J'ai laissé un vide mural. C'est honteux. Hein. Ah, la salle est propre par contre. On a pris une étoile. Et ça, c'est beau. Pour un lieu de production, c'est très beau. Ça faudra que cette pièce déménage un jour. Donc, dans les raids. Bon, la botte et le truand. 500 balles à gagner, ok. C'est pour gagner une peinture. Grimoire du fisc. Le clapier hamster, le fameux. Bah, je n'ai que des gardes et des espions. La mortalité est un peu élevée, hein. Peinture, l'elfette et le poulet. La mission des elfes en question. Je gagnerai une lampe. En t'envoyant des espions et des gardes. Cassez-leur la gueule. J'ai un autre à ajouter. Domestique, garde, orc. J'ai déjà un peu envoyé tous les orcs là. Est-ce que j'ai un garde orc ou deux qui traîne sous le coude? On va déjà commencer avec ça. Avec ça, ça. Bref. Pas plus convaincu que ça. Envoyons un chef cuisinier orc. Ah, on a plus assez d'infos, parfait. Mais ça se faisait. Voilà. L'heure est venue de sacrifier des âmes. Il est fâché. Je serais fâché tout rouge à sa place aussi. C'est splendide. Pour un donjon de sbires, c'est un grand luxe. Hein. Il y a un degré de luxe ici. Alors, pour entretenir toutes les salles, hein, les gars. Il n'y a pas wesh. Hein. Tout doit rester propre tout le temps. Hein. Ah non, mais... faire ça hein.
En même temps, j'ai envie de demander est-ce que cette pièce a encore une raison d'être en vrai. On va maintenant on a celle-là, quoi. La réponse est oui, parce que c'est l'usine à chiottes. Donc oui, elle est formidable. Ça s'entretient pas, ça y est pas de discussion. Oui. Assurez la clique. Ou alors je rends toute la piole. En vrai. Augmente le moral. Ah ouais, on peut hein. Hop, elle est où ta cartouche? Elle est là. La viande, salade, tomate oignon. Voilà. Vous aurez des desserts maintenant. C'est une bonne nouvelle. Alors, j'ai le clapier hamster de Xorg. Bah parfait. Hop là. Il est où ce con? Il est là. Clapier à hamster. Juste en face. Vraiment. Ah mais on n'a pas de budge. Ah faut trouver un peu de pognon les gars. Faut me trouver un peu de pognon. Incursion en approche, ok certes, j'entends. On va peut-être commencer à revendre des choses là. Parfait. Étage 4. C'est la cible d'une incursion? En train de te faire attaquer là? Non. Il y a vraiment des gens qui essayent d'attaquer ce mec? Je suis pas sûr hein. Je pense que c'est plus par là que ça se passe, là. Par ici. C'est super intéressant. Hein. Ah, ils viennent convaincre le Goldbark dans son antre de libérer des démons de votre service. Besoin de quelque chose? Ok. Bon, tout le monde a l'air heureux. Hein. Surtout ce poulet. Oui, ça arrête. Ça bosse, hein. Ça bosse là-dedans. Hein. C'est l'usine, hein. D'ailleurs, finalement, oh. Oui, j'étais en train de bouger toute la pièce. Voilà, comme ça, en fait, dans le coin, je peux rajouter un truc. Genre,
peut kiffer un matériel gobelin. Ok. Et ça, c'est le nombre d'outils. Ok, il faut que j'augmente mon nombre d'outils. J'ai pas 900 balles. Oui, ça coûtait 0. C'est replacé pour plus tard. Bon, même si j'aurais dû tourner dans le sens, parce que le dépôt d'armement, c'est tout l'autre côté. Hein. Maintenant, ils vont s'amuser à buter tout le monde, c'est ça? Encore un voleur, un garde, je suis pas moi, pas moi ce débile non plus. Donc il va me manquer encore des espions, c'est ça? Des espions dans la maison, il en reste un. Bon bah voilà, ça répond à la question. Espion, oh espion de mon cœur, dis-moi qui tu es, je te dirai qui je suis. Qu'est-ce que ça raconte ici? Si c'était ici, évidemment. Oui, si c'était là. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil? Ah, j'ai de nouvelles lampes. Augmente le prestige de la salle significativement, d'ailleurs. Vous noterez. Ah, c'est-à-dire que là, je les place, on les voit pas. Mais, on les voit pas avec style. Ce qui a l'air de rien, mais c'est quelque chose. Premier mannequin ici, voilà. Voilà. J'ai très envie de vendre cette salle. Hein. Et d'en faire une succursale supplémentaire pour les artisans, bien sûr. Et je crois que je vais faire ça. Surtout cette salle est nulle. Ça fait ça de moins à gérer. Et le jeu a décidé que ça ferait ça de moins gérer. Ouf. A cessé de fonctionner. NDM.exe a cessé de fonctionner. Voilà, c'était bien. Je vous remercie, c'était Knarfank sur Canabitude Gaming pour le maître du donjon de Nullbug. Et je vous dis à la prochaine, ciao.